J'ai parlé du condensé électoral dans la voiture avec Roger Moussange. Le condensé électoral, je défendais, tu sais qu'il dit. J'ai commencé mes propos en disant qu'il y a une crise électorale qui n'a jamais été résolue. À cette époque, j'étais le plus beau, le plus gentil, l'homme qui devait être le fils de tout le monde et qui devait être le beau-fils de tout le monde, qui devait épouser toutes les filles. Ça, c'était à l'époque. Les jours où j'ai seulement osé dire que le dialogue tel qu'on veut nous le présenter, c'est un dialogue qui va couler l'IDPS. Ces jours-là, les cornes ont poussé, la queue a poussé, je suis devenu le diable en personne. Mais vous ne verrez jamais la même propos. On a parlé de la religion qui est l'opium du peuple. Et qu'il fallait conscientiser peut-être que les concitoyens et nous pour trouver peut-être une solution à la crise qui sévit dans notre pays. C'est bien en théorie, mais le problème, ça se pose au niveau de notre pays parce que vous avez parlé, il y a je ne sais pas combien de mille d'églises qui foisonnent dans les rues. Comment pouvons-nous, je dis en général, qu'est-ce que nous pouvons faire pour arrêter ce qui se passe, ce qui font cette religion ou ces églises qui font dormir nos concitoyens au niveau de notre pays. Parce que c'est ce qui se traduit aussi ici. Regarde, les Congolais ne sont pas seulement ces petits nombres. Mais s'il s'agissait des églises, vous allez voir, et quelles sont ces églises? C'est là peut-être qu'on cherche des solutions, ou quelles sont qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, pour vraiment arrêter ces histoires-là? Et je vous remercie. Beaucoup de gens qui profitent. Ce n'est pas, c'est aussi une complexité. Nous savons très bien que plusieurs batailles entre le CNP et l'armée congolaise étaient. Le CNP a profité de complicité avec certains officiers dans l'armée congolaise, on sait très bien. Mais je crois que c'est une question générale. La restructuration de l'armée congolaise de FARC, c'est une tâche très importante. Et vous savez que le jeune officier qui a battu le M23 en 2013, Mamadou, lui était tué quand? Il était tué quelques mois après. Celui qui a réussi pour la première fois depuis des années de battre une groupe armée très solide, lui était tué parce que mon impression est que il y a beaucoup de gens qui profitent de cette situation et je ne vais même pas encore parler de ça. Excusez-moi monsieur, peut-être les questions vont vous fâcher. C'est pour ça que je commence par vous demander des excuses. Et je préfère les poser en français puisque nos compatriotes peuvent bien comprendre. Ma première question, ça fait combien de temps que vous travaillez à la frontière? Et la deuxième, Martin Combler. La première question, oui. Ça fait combien de temps qu'il travaille à la frontière? Je ne sais pas le monsieur, c'est le professeur, mais je l'ai vu. Directement? Qui travaille à la frontière? Je ne sais pas, le monsieur, c'est le professeur, il travaille à la frontière? Donc, à la frontière. Depuis 2006. Depuis 2006. Je travaille aussi à plusieurs frontières entre le Rwanda et le Congo, et entre le Congo et le Bas. Ok, merci. Aussi, oui, aussi. Okay. Si on veut comprendre la commerce de minerais, on va travailler aussi à la frontière. D'accord.
D'après votre exposition, j'ai bien compris, et bien nous avons aussi compris, Martin Kobler aussi, c'est un Allemand, n'est-ce pas? D'après tout ce qu'il a comme armée, comment est-ce qu'il n'arrive pas à maîtriser cette situation? Et vous, ça fait combien de temps vous n'arrivez pas à dénoncer ce que vous venez nous démontrer aujourd'hui? Merci. Si j'ai bien compris, pourquoi l'État ou l'armée ne maîtrise pas la situation? Can't it be said? Martin Kobler is an Deutscher. Oui. Warum kann er nicht so diesen Krieg besiegen, mit was er hat als Armee hier in Deutschland? Das war die Frage. In Deutschland? Nein, was er als Armee in Deutschland hat oder in Truppen. Non, la question est pourquoi Kobler n'a pas réussi de résoudre les problèmes de conflit armé au. Oui, d'après tout ce qu'il a comme arsenal. Arsenal. Oui, il n'arrive pas à maîtriser cette situation. Avec la MONUSCO. Oui, MONUSCO, bien sûr. Est-ce que vous croyez qu'un soldat de Bangladesh, de l'Inde, a envie de mourir pour le Congo? Merci beaucoup. Alors, la première question. Ça fait moins peu 15 ans que vous travaillez là-bas. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à dénoncer ça plus tôt? Moi, j'ai dit ça depuis 10 ans. Et vous avez toujours dénoncé ça? Oui, pas très bien. Il est là que vous dénoncez ça. Où? Moi, je n'ai pas vu. Ah. Non, je le suis parce que je peux donner l'exemple. C'est très important, monsieur. C'est très, très important. Est-ce que je peux répondre? Mais bien sûr. Je vous en prie. Peut-être que vous jetez un coup d'œil dans le Friedensgutachten der Bundesregierung, der Bundesrepublik Deutschland von 2013. Friedensgutachten 2013, Löwenspeck, où vous allez lire ce que j'ai dit. Merci. Dans l'exécution militaire de ce qui va se passer. Et puis, surtout, je parle de ce que l'on sait 20 ans après pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé en 1994, que même beaucoup de Congolais ne comprenaient pas, y compris un certain nombre de Tshitandous qui étaient sur place. Et je me suis intéressé à l'opération Turquoise. L'opération Turquoise qui est devant les tribunaux et aujourd'hui à réaliser. L'histoire a toujours cet avantage, quand on regarde, on étudie bien l'histoire, ça peut expliquer le passé, mais ça. Qui sont ces héros et qui sont ces latines là, la salle de vos compatriotes à Béni et à Sissi et Kosovo. Il y a d'autres qui sont venus en 4, ce sont eux qui, maintenant, un pays différent, où ils viennent des minéraux. Ce sont eux qui exploitent de façon illégale tous les minéraux de l'intérêt du Congo. Et il y en a d'autres, en fait, qui sont venus après 4 avec la mouvement de l'univers. Qui alors se sont qui sont dans la possibilité d'accès au pouvoir ou alors le partage du pouvoir. Vous connaissez mieux ce qui s'est passé. De toutes les manières, nous vivons des théâtres et alors nous ne pouvons pas réaliser ce qu'on ne mesure pas au pays pour quand on est tout le 23 septembre, qu'il soit pris comme quelqu'un qui a livré les secrets à l'étranger. Et je voulais même tenir espoir que si j'ai livré ce qu'on a pays. Au fait, je voulais poser la question. Vous avez déjà fait grand chose, les compagnons de la diaspora. Et nous avons même fait autre chose parce que nous disons, nous les disons sous des essais, parce qu'on parle à votre voix, sur place, on est bien en cage. Nous vous demandons ceci. Les interventions qui sont passées sont très constructives et nous voulons savoir qu'est-ce que vous préconisez pour nous libérer de cette situation qui nous a terrorisés depuis notre enfance. L'Afrique du Congo fait couler beaucoup d'encre. Et lorsqu'on parle des élections, certaines personnes ou l'imaginaire populaire pensent que les élections régionales.
Les élections dans un régime de représentation, les élections, c'est le mode de choix des dirigeants. Parce que nous tous, nous ne pouvons pas diriger le pays, nous tous, nous ne pouvons pas diriger la vie. Nous choisissons les gens qui nous représentent. Et ceux qui nous représentent, qui ont été élus, ceux qui nous représentent arrivent au pouvoir ou nous représentent parce que nous leur donnons un pouvoir à travers les élections. Mais la démocratie n'est pas que les élections. La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Il faut séparer les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs judiciaires. Pourquoi? Parce que les députés contrôlent les gouvernements. Les gouvernements vérifient que tout fonctionne bien. La justice juge les gouvernements, la population ou les députés lorsqu'ils n'ont plus les immunités ou lorsqu'on les enlève les immunités. Mais la démocratie, ce n'est pas que la séparation des pouvoirs. La démocratie, c'est aussi une police républicaine qui protège les personnes et les biens. La démocratie, c'est une armée nationale républicaine qui protège les frontières et qui garantit l'indépendance nationale. La démocratie, c'est le respect des droits de l'homme. L'homme est un être, par rapport aux êtres vivants, qui est considéré comme supérieur. Si un animal a des droits, l'homme doit en avoir. On ne doit pas empêcher un homme de parler, de ne pas être content, parce que ceux qui sont au pouvoir, ils y sont arrivés par les élections, et les élections, c'est la voix qui a fait que ces gens-là arrivent au pouvoir. C'est juste des simples représentants. Les mots ministre veut dire serviteur. Ministre, ce n'est pas les patrons. Et les députés, il est là pour vous représenter. Les députés, c'est un représentant. Ce n'est pas votre patron, ce n'est pas votre chef. Les ministres, ce n'est pas votre patron, c'est un serviteur. Il est là pour servir l'État. Et une fois qu'on a compris ces choses, on comprendra un peu ce qui se passe au Congo. Parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire qui circule et les gens, des fois, ne comprennent pas. Les élections, c'est quand nous choisissons des personnes. Mais à côté, il y a un autre mode d'élection dont on ne parle pas beaucoup, c'est les référendums. Les référendums, c'est lorsque nous répondons à une question. Voulez-vous que la capitale quitte Berlin et que ça revienne à Bonn? Ça, c'est une question. On peut répondre à cette question que par un référendum. Mais lorsqu'on dit entre Madame Merkel et je ne sais pas moi, notre monsieur, vous prenez. Qui vous voulez, là maintenant c'est les élections. Les élections, on vote pour des personnes, tandis que les référendums, on répond à une question. Ça, c'est aussi très important parce que les débats circulent au Congo. Mais pour parler des élections au Congo, il faut connaître l'histoire politique récente de ces pays. Et l'histoire politique de ces pays, Charles vient de nous en parler, donc Charles Donana, et d'une certaine manière, le professeur Martin, qu'il m'excuse de ne désigner que par son prénom, parce que j'ai du mal à prononcer son nom, l'a dit aussi. Si nous connaissons l'histoire récente du pays, nous pourrions parler des élections. Vous avez vu, le pays a été envahi. Il y a eu un projet, le pays a été envahi. Et pour envahir ce pays, il y a eu des gens qui ont réfléchi à comment envahir ce pays. Et comme ils ne pouvaient pas se mouiller, ils ne pouvaient pas se salir d'eux-mêmes, ils ont utilisé des proxys, des sous-traitants. Alors, ceux qui nous ont agressés, c'est les Occidentaux. Notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, et il y a d'autres pays qui ont été cités, la Nouvelle-Zélande, et même certains pays scandinaves. Ils ont monté ce plan parce que pour eux, nous ne sommes pas, comme vient de le dire Charles, des partenaires économiques respectables. Nous sommes juste un réservoir de matières premières. Nous sommes pillables, corvéables, pillables à merci. Pillables sans pitié. Je ne sais pas si le mot pillable existe en français. Si ça n'existe pas, pardonnez-moi. Mais nous sommes pillables à merci. Et pour cela, il devait utiliser des sous-traitants. Les sous-traitants, c'est l'Afrique du Sud, qui est un peu le patron, l'ambassade de tout ce que les Occidentaux font en Afrique. D'ailleurs, la plus grande ambassade des États-Unis en Afrique se trouve en Afrique du Sud. Les
seul pays africain qui avait une bombe atomique, qui fabrique des chars de combat et qui a un système, qui est dans le système financier qui fonctionne. Ils ont encore utilisé le Rwanda. Pourquoi? Parce que c'est un petit pays extrêmement pauvre. Depuis la nuit des temps, les rêves, c'est les Congo. Ils rêvent Congo, ils dorment Congo, ils mangent Congo, ils écoutent la musique congolaise. Ils rêvent Congo depuis la nuit des temps. Donc il fallait les utiliser. On a utilisé un peu cette philosophie, cette vision expansionniste des choses. Mais qui dit le Rwanda, c'est un pays jumeau entre guillemets. Les Burundi est à côté. Donc, quand on utilise le Rwanda, on utilise aussi les Burundi à côté. En attendant, à côté, il y avait le Ghana, d'où les Rwandais sont venus. La bande à Paul Kagame. Donc, on utilise l'Afrique du Sud, les Rwanda, les Burundi, le Ghana, et les gendarmes militaires de l'Afrique, ces derniers temps, on n'en parle pas beaucoup, l'Angola. Ce qui fait que quand Laurent Désiré Kabila arrivait, à partir de Kenge jusqu'à Kinshasa, c'est l'Angola qui a sous-traité ces volets des choses. Donc on a utilisé ces pays comme des sous-traitants. Mais lorsque vous utilisez des sous-traitants, vous avez besoin des ouvriers, ceux qui doivent faire le boulot. Et là, c'était simple, ils ont créé les gouvernements de Kinshasa, fabriqués par eux. Les gouvernements de Kinshasa avec l'opposition d'accompagnement, parce qu'il fallait faire une espèce de démocratie par des régimes parlementaires. Régime parlementaire, permettez-moi l'expression, bidon. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir et il y a une opposition, le deux fabriqués par les mêmes. Parce que maintenant, au Congo, le problème, ce n'est pas l'opposition du pouvoir, c'est la classe politique pourrie et corrompue contre la population pauvre et paupérisée. C'est ça le problème. Et après, ils vont nous envoyer la MONUSCO, 22 000 casques bleus, à peu près 3 000 personnes pour la logistique, c'est-à-dire les administratifs. Ça coûte 1 milliard de dollars par an et ils dépensent minimum, je dis bien minimum, 1 million de dollars par jour. Les jours, ils ont dépensé moins d'argent, c'est 1 million de dollars. Mais ils vont jusqu'à 3 millions de dollars par jour à ne rien faire. Et après, ils nous ont ramené plein d'ONG. Ils sont beaucoup plus des espions, des ceci, des cela, des géologues, où se trouvent les minéraux. Ils font des recherches dans les forêts du Kivu pour des nouveaux médicaments. Ils ne sont pas là pour le peuple. Donc, ça, ce sont les exécutants. Et comme ils nous ont mis, les sous-traitants nous ont mis des exécutants en place, ils doivent s'arranger que tous ceux-là soient un peu propres et ils passent par les élections. Mais lorsque vous votez, vous devez aussi élire. Voter, c'est le fait de mettre le bulletin dans les mains. Mais élire, c'est le fait de choisir la personne pour qui vous avez voté. Nous, les Congolais, on nous donne le droit de voter, mais pas le droit d'élire. Vous vous réveillez les mains, vous mettez votre bulletin dans l'urne et ils ont déjà choisi quelqu'un. Et c'est celui-là qui sera élu par eux. Ça a commencé en 2006. On a vu l'engouement, par exemple, à Kinshasa. Les jours où Jean-Pierre Bemba est arrivé, je ne dis pas que c'est un saint. Il a marché à pied, vous avez vu. Les élections ont eu lieu avec l'abbé qui est décédé dernièrement, l'abbé Macron. Il y a eu une rumeur qui a circulé que Jean-Pierre Bemba aurait gagné les élections. Dans toutes les villes, c'était la nièce, c'était la fête. Après, on a dit non, c'était juste une rumeur. Après le soir, je crois que c'était un jour après, on publie les résultats et on désigne c'est Joseph Kabila qui a été élu dans le silence total, l'indifférence et la colère. Ça finit par une guerre en plein Kinshasa avec des milliers de personnes, des centaines de membres. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est à la CPI pour un dossier centrafricain. Lui, il est complice à la CPI, mais l'auteur, c'est lui qui l'a appelé. Ange Félix Patassé n'a jamais été inquiété jusqu'à ce que la mort lui règle son compte. Allez-y comprendre quelque chose. Alors, pour revenir aux élections actuelles, il faut partir de 2011. Parce qu'en 2011, il y a eu un problème qui n'a jamais été résolu. Nous sommes en crise politique jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en crise politique. Ça n'a jamais été résolu. Donc, on ne peut pas bien parler des élections d'aujourd'hui, si on ne jette pas un petit regard
vers les élections de 2011. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Les élections, c'est toujours avant, pendant et après. Avant les élections, première chose, modification de la loi électorale. Élection à deux tours, réduit en un seul tour. Première chose. Pendant ce temps, que faisaient les Congolais? On dansait les domos. Premier acte, c'est passé comme l'État l'a pensé. Deuxième acte, qui devait valider les résultats des élections? C'est la Cour suprême de justice à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de Cour constitutionnelle. On modifie la composition de la Cour. Je n'ai pas les chiffres exacts, je crois que c'était 7 juges, et on les a multipliés même jusqu'à 20. Dans l'indifférence totale. Vous êtes chez vous à la maison, vous passez, vous voyez des clés, des instruments pour ouvrir la porte, juste déposer, vous ne vous posez même pas la question qui les a déposés. Vous rentrez, vous fermez la maison en clé, vous sortez. Vous revenez, vous voyez, on a fait approcher un véhicule déjà bien garé, vous rentrez, vous sortez, vous ne réagissez pas. Après, demain, vous allez vous étonner que les outils ont servi à forcer votre porte, à l'ouvrir, et que les véhicules, c'était pour voler tout ce qu'il y avait dans la maison, les mobiliers, tout ça. Vous allez vous étonner? Parce que ça a été fait. Ils ont modifié la loi dans le silence. Ils ont modifié le nombre de juges dans le silence. Troisième événement, grave. Campagne électorale. Des bâtons dans les roues à gauche, à droite. La télévision nationale qui ne faisait la propagande que d'une personne. Les autres n'avaient pas les droits. Or, la télévision est nationale. Nous payons tous la redevance. Tous les candidats doivent passer à temps égal. Ça n'a pas été fait, les gens s'étaient fait. Le débat électoral, les grands débats électoraux. Qui est garanti dans la loi électorale? Un ministre va sortir, il va décider comme ça. Pas de débat. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est censé être congolais, il ne connaît aucune langue congolaise et qui va éviter de répondre à la question sur ses origines. Donc il n'y a pas de débat. Et là, les Congolais à Kinshasa, ils se contentaient des t-shirts, d'un sac commun, comme on dit, des riz. Ils se contentaient d'un kilo de poisson chachard. Pendant ce temps, pas de débat à la télévision. C'est passé comme l'être là. On annule les derniers meetings qui devaient avoir lieu à Kinshasa. Corps à corps, face à face. Le palais du peuple, Joseph Kabila, stade des martyrs, Étienne Tshisekedi. Il le savait, s'il avait ces meetings, on allait voir où allait partir la population. Le monde entier allait voir à la télé qui allait être élu. On annule les élections dans un autre pays comme le Nigeria, le Burkina Faso ou le Sénégal, il y aurait eu des émeutes, mais graves ce jour-là. Ça n'a pas été fait. On a annulé, les gens ont accepté. Après, ils sont allés aux élections. Ils ont voté, certains candidats n'avaient même pas des assesseurs dans les bureaux de vote. Comme par hasard, on coupe Internet, on coupe les SMS, rien du tout. Et avoir un BlackBerry à l'époque, c'était presque une infraction. Parce que BlackBerry avait un réseau, je veux dire, autonome. C'était presque une infraction. Tout cela a eu lieu dans le silence des Congolais. Après, ils ont publié les résultats. Donc, les gens ont voté, mais la CENI a élu un candidat. Les gens n'ont pas élu les candidats, mais c'est la CENI qui a élu, parce que les gens ont voté. Lorsque les résultats... Et on a consigné l'ensemble de la démocratie juste pour faire beau. Mais en réalité, c'est un système qui est bien lié, qui remplace l'esclavagisme. La colonisation, donc l'impérialisme, parce que ça veut dire comme M. Carmine, a mis en place un système pour faire croire au monde qu'il n'y a pas de démocratie, c'est en réalité non. Donc nous les combattants, on s'est dit, avec les mains du corps, malheureusement, ceux qui sont censés nous soutenir, ceux qui ont les parlent bien français avec le bac, c'est très simple, ils sont malheureux de regarder les combattants pour ça. Limite encore, nous appelle les combattants pour vous parler de ce que ça va donner. C'est un combattant Joe. C'est comme ça la plupart de nos intellectuels nous appellent. Mais nous, on est conscients qu'il est un peuple. On est le peuple congolais. Et par nous, notre nation et notre peuple, le fait
d'avoir pris conscience que le pays va mal, le pays est envahi, le peuple souffre. C'est cet amour patriotique-là qui bouillonne en fond de nous et qui nous fait faire ce que vous voyez dans le pays de l'Europe. Bon, et j'ai fini son exposé, s'il vous plaît, monsieur, parce que vous voyez parler beaucoup, vous voulez laisser la parole pour que vous comprenez. Donc, à ceux qui veulent que nous, on descende au pays, on ira pas au pays. On vous le fait croire bien tout de suite. Parce que les combats, ça se passe au Congo, les décideurs sont ici. C'est pourquoi nous, on manifeste partout dans tous ces pays d'Europe. Et le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que comment faire le relais au pays, former des petits groupes, comme font déjà nos compatriotes, nos frères, les policiers, les coquilles au pays, ça veut dire ça suffit. Qu'on doit, nous, leur transmettre notre philosophie. Et un jour, il y aura cette fameuse future du monde populaire qui va se faire. Le temps, ça n'a aucune importance. La date statistique du 19 décembre, ça ne concerne pas. Nous, ce qui nous concerne, les jours de la libération du Congo et récupérer notre souveraineté. Je laisse vous laisser la parole. Ingeta! J'ai vu quelqu'un dans ce thème assez. Conférence qu'il y a au dernier événement, où il fustige la façon dont certaines personnes ont participé à des conclaves ou à des choses comme ça, je ne sais pas. Ah, je me suis posé des questions. Qu'est-ce que nous voulons, nous Congolais, exactement? Et ce n'est pas que le Congolais est la source de ses propres problèmes. C'est une question. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on cherche à bipolariser la situation, de ce qui se passe dans notre pays, on voit d'un côté les partis politiques et de l'autre côté, ce qu'on appelle résistance, je ne sais pas, combattant. Ça ne fait qu'envenimer pour la situation. Un exemple, un parti politique comme l'UDPS, il a des milliers, peut-être des millions de gens. Un mouvement de résistance comme Apareco, il a aussi des milliers de gens. Si les gens d'Apareco, par exemple, critiquent, c'est le DPS, ne croyez pas que ceux qui sont dans le DPS diront effectivement vous avez raison. Ça ne va que créer la situation que nous connaissons aujourd'hui. Nous devons chercher par tous les moyens, surtout vous qui êtes des journalistes, des analystes, à chercher à faire à ce que les Congolais soient mis ensemble pour qu'il y ait cette unité. Que cela soit non seulement entre les partis politiques, mais aussi entre nous qui sommes ici. Nous voyons comment nous qui sommes des combattants. Merci. Merci. Est-ce que tu peux résumer? Le résumé, c'est tout simplement, c'était la question que je voulais poser à M. Kevin. Pour ne pas me poser la parole, je m'arrête la liste. Ok. Alors, si je minimisais le peuple congolais, je ne serais pas là. Ça fait 6 semaines, je dis bien 6 semaines. Je n'ai jamais été chez moi le week-end. Ça fait 6 semaines. J'ai jamais été chez moi, donc je ne minimise pas le peuple congolais. Je connais la bravoure de ce peuple. Je l'ai toujours dit dans des vidéos publiques, j'ai dit, les autres pays africains se battent contre des puissances régionales. Les Congo Brazza, c'est la France, c'est une petite puissance. Les Congo se battent contre les États-Unis, la première puissance du monde. Et contre les Congo, c'est tous les pays puissants. Je l'ai toujours dit. Donc c'est un vaillant peuple. J'ai fait une émission avec Anissé Mombé et j'ai répété ses propos dans beaucoup d'analyses. Dieu merci, je l'ai dit tout à l'heure à table en disant l'histoire du Congo, c'est une histoire qui est faite des révoltes. Ah non, c'était plutôt hier à table que je le disais. C'est une histoire des révoltes. C'est un peuple qui ne se laisse pas faire. Donc je ne peux pas minimiser le peuple congolais. Quand je fais un constat, est-ce que en 2011, quand on a pris cette loi, les gens se sont révoltés ou ne se sont pas révoltés? Quand on a annulé les derniers meetings de Tshisekedi, la population était dans la rue, il fallait qu'elle reste dans la rue, on n'aurait pas organisé les élections. Les gens se sont dit naïvement, allons aux élections, de toutes les façons, il n'est pas populaire. On n'avait pas pris la dimension fraude en compte. Et du coup, c'est Kabila qui a été élu. Tout à l'heure, je faisais un constat. Merci. Je suis fini. Non, mais je dois finir. Oh là. Je compte que c'est répondu. Oh là. Non, l'essentiel de la question, je n'ai pas répondu. Vous avez du temps? On a du temps. Ok. Bon. Ça, c'est la deuxième chose. Et la question, c'est, on est là pour, j'ai caricaturé, on est là pour décourager l'unité des Congolais. L'unité, c'est quoi? L'unité, c'est pas un slogan.
allez dire aux Israéliens pendant la Deuxième Guerre mondiale, ouais, Hitler, vous savez, l'unité avec Hitler, hein, mettez-vous ensemble, l'unité, ça va marcher. Non, je crois. Allez le dire. Allez le dire. Le problème, ce n'est pas entre la paréco dont je ne suis pas membre et l'UDPS. Parce que ça transparaissait. Je vais vous dire quelque chose. Depuis que je suis né, j'ai participé à deux réunions de la paréco, depuis que je suis né. La première, c'était à Stockholm, la deuxième, c'était à Bruxelles. Convention des Congolais de l'étranger, 4 réunions. Tous les autres politiciens, j'ai animé des conférences, des réunions. Si je ne croise pas Charles Onana, je croise Patrick Mbeko. Je croise le faire dans le monde. La paréco, c'est 2 fois. Je dis bien 2 fois. Je suis un des rares Congolais qui a eu droit à 2 jours d'insultes complets sur Radio Bélé, contrairement à ce que vous dites. Parce que mon indépendance, j'ai la chérie. Mais si l'IDP se fait des bêtises, personne ne nous impressionnera. On en parlait là. On a réuni quoi à Genève. Il est député du PPRD en Europe pour raison de santé. À Genval, il y avait un rebelle entre guillemets, un membre du M23. À Genval, il y avait un député du PPRD. À Genval, il y avait qui? Il y avait un génocidaire, quelqu'un qui a commis un génocide. Kyungu a commis. À Genval, on se sert de Tshisekedi. On se sert de Tshisekedi. Comment on s'est servi de l'AFD pour dribbler les vieux? Et si nous, on est vigilants, on devient mauvais. De quelle unité vous nous parlez? En Allemagne, il n'y a pas d'unité. Sinon, il y aurait un seul parti politique. Ah, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Au nom des limités, mettez Donald Trump et Hillary Clinton ensemble, les républicains, les démocrates, mettons-nous ensemble, faisons l'unité. L'unité ne doit pas être un slogan. Nous voulons l'unité, oui, entre des gens qui ont le même objectif. On ne peut pas se mettre ensemble. Vous, vous êtes là pour piller le Congo. Moi, je suis là pour libérer le Congo. On se met ensemble. On va en guerre. Les problèmes, c'est les fanatismes envers Tshisekedi. Pendant une année, les vidéos sont là. J'ai parlé du condensé électoral dans la voiture avec Roger Moussange. Le condensé électoral, j'ai défendu Tshisekedi. J'ai commencé mes propos en disant qu'il y a une crise électorale qui n'a jamais été résolue. À cette époque, j'étais le plus beau, le plus gentil, l'homme qui devait être le fils de tout le monde et qui devait être le beau-fils de tout le monde, qui devait épouser toutes les filles. Ça, c'était à l'époque. Les jours où j'ai seulement osé dire que le dialogue tel qu'on veut nous le présenter, c'est un dialogue qui va couler l'IDPS. Ces jours-là, les cornes ont poussé, la queue a poussé, je suis devenu le diable en personne. Mais vous ne verrez jamais dans mes propos une seule fois, j'ai insulté Tshisekedi. Une seule fois, j'ai manqué du respect envers lui. Mais quand il y a des choses qui clochent, on les dit. Ouais. Et là, bon, merci, on est en train de fouiller le feu. Donc les hommes politiques commettent beaucoup d'erreurs et quand on n'apprend pas de ces erreurs, on les révit. Quand on vous roule dans la farine la première fois, vous n'êtes pas un garou. La première fois que vous êtes un garou. Mais lorsqu'on vous roule dans la farine une deuxième fois, vous devenez un yata. Donc, pour que cela n'arrive pas, il faut que, comme je l'ai toujours dit, la priorité à l'IDPS, ça ne devait pas être les dialogues, les élections générales. La priorité, c'est d'abord un congrès de l'IDPS. On fait un congrès, on résout la famille. On soigne les plaies. Voilà, toi, tu étais énervé, pourquoi tu as fait ça? Ah non, moi, papa, reviens dans la maison. Et toi, vraiment, ça ne peut pas aller, ce que tu as fait, c'est trop grave, reste là. On réunit la famille, on balaye l'IDPS, on remet l'IDPS debout, on en fait une machine de guerre comme elle a toujours été. Et après, on pourra envisager d'autres choses. Quand on a un parti politique qui est affaibli, il y a des dissensions. Le secrétaire général dit une chose, telle personne dit autre chose. On a pris une grille de lecture, je vais dire claire par rapport à l'IDPS. On est déstabilisé, perdu. Quand on a un tel parti politique qui s'appelle le bonheur du camp d'en face,
Nous n'avons pas besoin de Tshisekedi par rapport à ce qu'il est. Mais nous avons besoin de Tshisekedi par rapport à ce qu'il représente. Et les autres en ont peur parce qu'ils savent que, comme on dit dans la Bible, l'Oba de Mali, l'Oba, mon Oba, comme ça. Vous savez, on a parlé de soulèvement populaire. On n'a pas cinq Congolais qui peuvent seulement dire tout le monde dans la rue demain et tout le monde est dans la rue. Voilà. S'il ne le fait pas, pourquoi il ne le fait pas? Voilà la réponse. Alors, tu peux continuer. Moi, j'ai une question. Vous avez suivi, mais il s'avère que la première question a été répondue sur ce sujet. Alors, la deuxième question que je vous pose, nous étions à Cologne, et à Cologne, il y a eu quelqu'un qui a présenté les trois ovnis qui rongent le Congo. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Utilisez bien les micros, monsieur. Silence, silence. Parmi les trois ovnis, il y a la famille Katumbi. Donc vous connaissez que le père est israélien et que en sortant du Congo, au moment où ils étaient partis du Congo, ils ont été condamnés pour le crime de sang. Vous connaissez le cas. Et ce que Katumbi est en train de jouer actuellement derrière Tshisekedi. Vous ne voyez pas que c'est un jeu carrément coordonné par les Israéliens. Je vous demande votre point de vue et non une solution parce que vous n'êtes pas en mesure de donner cette solution. La question qui est devenue un peu récurrente ces derniers temps et c'est ce qui fait le buzz dans les réseaux sociaux congolais. Bon, par rapport à Moïse Katumbi, les faits, parce que les slogans, c'est les faits, c'est unité. Hein. C'est ça les slogans. Unité. Si vous dites que, pas unité à n'importe quel prix, pas d'unité n'importe comment, pas d'unité avec n'importe qui, vous insultez Tshisekedi. C'est comme ça que c'est interprété. On connaît la réalité de communication, hein. Il suffit de le dire, ah, vous insultez Tshisekedi. J'ai envie de vous répondre ironiquement et de vous répondre en privé hors micro. J'ai vraiment envie de vous répondre ironiquement que nous devons nous unir. Et au nom de l'unité, il faut mettre ensemble Tshisekedi, Moïse Katumbi, Kyungu Wakumanza, Roubé Roua, Léo Grassas Bouguera, Bizimankara, Karahamou et Bizimana. On met tous ces gens ensemble pour libérer les Congo et les développer. Vive l'unité! Bisobana Mike, Tosangani Lelo, Tolobite etika tobongisa Tolukalisanga bayayana biso bakolo Bato a conseil oye Population ya Congo, jeunesse nationale Basengi lelo po babongisa Obongisa Congo ezali nguya ya population Bakonji bayoka na matoyi Obongisa mboka eponi motute Moto nyonso na mosala Ah, le règne panda, nous vont s'appeler à nous. Bisobana Mike, Tosangani Lelo, Tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayana bisoba kolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale. Basengile lopo babongisa Obongisa Congo ezali nguya ya population Bakonji bayoka na matoyi Bato a Congo